contre-attaque de Rimouski de courte durée à la ligne bleue. C'est pris par Blanchard. Relance l'attaque vers Parent. Transversal. L'autre but, le but! Oh, wow! Joshua Roy! Et ça semble être légal à frapper la rondelle au vol un peu comme pourrait le faire un joueur de baseball. Et il nivelle le pointage. C'est certain qu'on va aller voir si c'était dans les règles de l'art, mais je crois que oui. Ça a tout simplement été rejeté vers le devant du filet. Bang! Il frappe la rondelle au vol. Elle passe entre les jambières du gardien Robert. Et c'est le but. Mais est-ce que le 0 Rimouski? Et là, on parle au marqueur officiel. Ça regarde pas bien pour le Phoenix. Pas de but. Il vaut de le faire. S'il a la chance. C'est un jeu gagné par le Phoenix. Attention, voici Blanchard. Il n'y a plus de gardien. À Roy. Roy s'avance. Le tir. Le but! Joshua Roy! Et celui-là, il est bon! Je répète, il est bon! C'est l'égalité. 1-1. Partez pas. Pas fini. C'est pas fini, les amis. Alors, le gardien qui a tenté de jouer la superstar et de compter un but dans un filet désert, rate son coup, mise en jeu quelques secondes plus tard, bing bang, pif paf pouf, Phoenix en tire le barrage. Roy zigzag, le tir, c'est l'arrêt de Robert, dégalé Mathis Gauthier.